Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yo, petit pote, c'est beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concept, les gars. La vidéo concept du samedi. On va se jouer un petit deck, les gars. Un petit deck, vous avez vu dans le titre. Un petit deck troll. Petit deck troll avec triple sorcière. Clone, évidemment, avec un petit Lemgo. J'espère que ça va marcher. On va tout simplement défi classique. Donc, la vidéo commence, les gars. N'hésite pas à s'abonner, c'est très important. C'est un soutien, c'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager, ça me ferait plaisir. Et c'est parti pour la première game en défi classique. Je pense que la meilleure technique, c'est jouer en mode bas les couilles. Genre, clairement, jouer en mode bas les yeux. Genre, c'est quoi le plus lent? C'est la sorcière. Ok, petite sorcière. Bah, quand je joue en mode bas les couilles, c'est genre vraiment. Ok, allez. Ah, il a un sorcier. Déjà, ça c'est problématique, ça, qu'il a un sorcier. En vrai les gars, petite dingue là. Petite dingue là en deux secondes. Je suis mort. Ouais, je suis en train de gérer. Mais quoi? Mais pardon. C'est trop fort. Wesh, gros. Ouais, les gars, on va faire un carnage dans cette vidéo, je vous dis, on va faire un carnage là. Hop, petit golem. Ouf, on est sur x2 les gars, est-ce que vous sentez? Ça sent le carnage, les gars, je vous le dis, j'ai l'odorat pour ça, ça sent le carnage. On va mettre la sorcière là. Ça va sur le Lemgo, tranquille. Hop. Tranquillement, voilà, le MK qui voulait se faire détruire. Ok, on va juste quand même défendre pour éviter de perdre la tour bêtement. Ouais, il a un bel élite, bon, il joue un peu comme un bouffon niveau 20 milliards, mais tranquille. Là, il est une sorcière de la nuit, les gars. Est-ce que vous le voyez, le push, les gars? Est-ce que... frérot. Ouais, je vois. Là, et hop là! C'est n'importe quoi, mec. Regardez. Ça prend de la tour. Mais c'est quoi ce deck, le gros? En fait, les gars, j'ai trouvé un nouveau deck là-dedans. C'est bon. Les gars, moi je vous le dis, on va faire un petit carnage dans cette vidéo. Petit carnage. En vrai, le deck est fort. Hein. Bon, après, bon, mec, il était pas bon. Voilà. Bon, restons raisonnables. Hein. C'est pas non plus incroyable quoi. Frérot, il a reine 8, reine 10. Ok les gars, on part de cette deuxième game. Ok, main golem de glace. Ah bah au pont, ah ouais. Lourd. Mais là ça c'est de la light. Alors il y a une bûche, déjà ça c'est problématique. Je pense que je vais mettre juste des bats, bah, genre juste faire ça, me bat les couilles genre. Il va se faire détruire. Non, ok, ça, il a bien défendu. En vrai, il a bien défendu. Mais là, ce qui s'est fait, les gars, c'est... Vous voyez, là. Les gars, vous le sentez bien, les gars. Petit Lemgo, là. Ah, des news qui te donnent le smile. Ok, alors. Ah, alors. Non. Déjà, bonjour. Déjà, bonjour, frérot. Mec, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que je vais mettre une sorcière de la night, des petites bats. Et là il a plus de tôt. Alors je vous le dis les gars, là il a plus de tôt, le frérot. Il va se prendre une nuée ardente de bats et de lingo. Les gars, on explose tous les decks avec le nouveau deck méta lingo clone. Oh mais ça donne là. Ouais, regardez comme c'est trop fort, genre.
Regardez comme c'est trop fort, alors, s'il vous plaît. Bah là, on défend même pas, gros, c'est quoi? Ah, ça c'est quoi ça? Là, frère, t'as plus de boule de feu là, vu ce qui va arriver là. Ah, la boule de feu, tu vas en avoir besoin là. Ah, bah les gars, je vous le dis, là, il m'a pas vu. C'est impossible de défendre. Là, je mets triple mamie, Daron, tout ce que tu veux, gros. Je vais envoyer des meubles IKEA, vous allez pas comprendre. En fait, il va recycler en fait. Attendez. Ouais, il a recyclé une chez Bus, c'est bien ce que je pensais. Ouais, vite, clone. Ah, bah rien clone du tout. Tiens, on peut clone ça. Ça peut être pas mal là. Des tihalouf, bibi tihalouf. Bah ouais, mais du coup, on a mes squelettes. Voilà, super bien défendu là. Attendez. On va quand même éviter de perdre, genre, c'est quand même con quoi. Enfin, c'est bon début de game et de nous faire exploser le fiac. Attends, on va essayer de pas rater le placement. Hop, c'est bon. Ok, on va les mettre là, la sorcière. Ah ouais. Ok, je fais limite pré-shot ça. On va mettre la mamie. Ok, normalement là, on a fait un bon truc. 2, 1. Oh là là, les gars, on a failli se faire soulever là. Oh mec. Ouais bon, ok, on a eu un peu de chat là sur cette game. Bon, voilà, c'est lui qui donne le smite en même temps. Ok, c'est parti, troisième game les gars. Ah les gars. Ah les petits Lengola. Hop là, petit golem firstly. Oh là là mec. Ah pousse là. Bah en vrai, est-ce que je défends? Non. Clairement pas. Ok, petite sorcière, tranquillement. Ok, petite mamie, ouais, il est chiant. Waouh, vas-y, poison alors que je clone, ça c'est pas cool ça. Ah, ça c'est pas cool le Clash Royale là. Donner un poison alors qu'on joue clone, c'est pas cool. On a déjà plus de tour. Retenter hein, écoutez. On va retenter. Ouais, ok. Le spam. Hop, on met la mosquette là. Hop, on va essayer d'éviter un maximum de dégâts. Ah, j'ai bien dit éviter hein. Mais essayez, je vous dis. Ouais, bon là, c'est compliqué hein. Ouais, il y a une Tesla aussi, mais gros, mais match-up. Bah là, c'est la hesse là. Ah ouais, là, c'est la giga sauce là. Ah frérot, il est pas cool avec moi. Hein. Ah ouais, milliard poison, c'est pas gentil. Hein. Ah, il va faire ça tout le temps en fait. Bah là, il y a plus de poison, mais bon, il m'a recyclé hein, en tous les cas. Hein. Là, je me vois mal gagner là, hein, je vous avoue. Ah, on perd la tour. Ouais, je pense que cette game est KO, hein. Cette game est down. Ok. Ah, mais regardez, Shlone, il forcément, il poisson à chaque fois. Ah, voilà. Ah, putain. Ah, ouais, on fait même plus jouer de deck troll. Bah, génial. Sar, quel plaisir, hein. Sar, tout Sar, quel plaisir, hein. Tout ça, quel plaisir. Ouais, bon. Bon, bah, les gars, je pense que cette game, elle était dead. Hein. Ouais, bon, après, ouais, d'accord. Oui, c'est à travers du défi classique. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais ok. Les gars, on peut-être cette dernière game ou pas. On va voir ça. Quatrième game.
C'est parti, contre Marco Antonio. Ah, les gars, vous la voyez. Ah, les gars, vous la voyez, le petit golem first play. Et hop, et merde. Voilà. En vrai, est-ce que je défends? Ouais, je vais quand même défendre, histoire de quand même défendre. Oh non, Madiba, c'est du cauchemar tigeur, putain. Ces bases, mes bases vont le faire chier de ouf, mais genre un max. Là, j'ai plus de bats. Yes. Bah, quel plaisir. On a bien gratté par contre, hein. En vrai, il y a moyen de la win, hein. Même si la tour à bombard chier, archer, en vrai, c'est mon quartier. Oula, non. Ok, on va mettre le... la mettre qui coûte. Ok, mais c'est... ça, c'est plutôt Gucci. Là, on va laisser faire. Je pense que c'est mieux. Hop, Arnouf qui met un petit coup. On repart au golem, les gars. Moi, je vous le dis, les gars, c'est la free win. Ce qu'il fait chier en fait, c'est mes bats. C'est même pas tant le. La sorcière, c'est les bats. Les bats vont me faire chier, faire beaucoup trop chier, genre. L'objet snowball à chaque fois en fait. Et ça, c'est cool ça. Ok, là il est dans la merde là. Là, il a le golem encore en vie. Il y a la knight qui fait spawn des bats. Et ouais, là, on va aller prendre la tour. Hein. Là, au moment où il met son cochon, on va aller mettre la mettre qui coûte. À moins qu'il nous laisse trois coucou. Ok, ne laisse pas trop coucou. Est-ce qu'il s'est spray shot? Évidemment qu'il s'est spray shot, c'est quoi cette question? Ah les gars, vous le voyez venir ou pas? Est-ce que vous le voyez venir? Le petit golem corner là. Allez, comme ça, si. Je vous offre un jeu, y'a pas de soucis. Hop. On va aller mettre la meilleure toto. Hop. La sorcière qui va se faire plaisir. Voilà, exactement comme ceci. Là on peut aller mettre la petite sorcière mamie au mid. On peut aller clone ça. En vrai c'est chiant. Là il est dans la sauce. Là est-ce qu'il pré-shot séisme? C'est la vraie question. Il pré-shot bûche, il peut pas séisme. Ou cochon qui va aller qui va avoir le temps de prendre la tour. Mais ouais. Il aura pas le temps je pense de gagner. Il peut tenter hein. Là ce qui me ferait plaisir c'est qu'il mette un cochon. Voilà, exactement comme ceci. Que là il a pas de gros sort, c'est à dire que là je vais mettre un golem corner, il va s'en souvenir de ce golem corner, voyez moi hop, comme ça par exemple, typiquement. Alors là par exemple typiquement je fais ça, il est dans la merde. Ok, il a bien défendu, bien joué sa part, et c'est la galère hein, pour lui là. Là c'est la giga sauce. De toute façon, on peut cocher autour du roi, hein. Faut pas oublier ça, c'est qu'on peut cocher autour du roi. Alors, on va aller cocher autour du roi, sinon on met un cochon. Je crois que j'ai des limites de pré-shot là, genre le cochon. Ah, nickel, je savais. C'est obligé. Et du coup, on va pas le cocher autour du roi, c'est inutile. Vous voyez qu'on peut le faire comme ça. Hop. Hop. On met ça comme as. Ouais, ça c'est bien joué de sa part. Allez, non. Non, pourquoi je l'ai troll? Oh non. Ah, oh, j'ai troll mort. Bah, bon, les gars, du coup, on va s'arrêter là. Ah, j'ai un peu le mal d'avoir troll à la fin. À la fin, je l'ai full troll. Bon, est bien joué à la fin. Bon, c'est les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu des familles, à vous abonner. C'était le coup. Ciao, bye.